Vic. Bonjour. Salut. T'as qu'à monter, j'arrive tout de suite. Rebonjour, c'est joli chez vous. Philippines ? À moitié, l'autre moitié c'est Samoa. J'en suis à plus de 50 nationalités. Faut travailler aux Nations Unies. L'égalité des chances devant la baisse, ce serait ça mon programme. Eh, doucement chérie, faut penser à couvrir ton petit frère. D'accord, j'en ai pas pour longtemps. Une petite douche, je vais le faire avec moi, ça te dit? Non, merci. J'aime pas être mouillée. Allô? Allô? Qui est là? Appelle la police. Non mais t'es givré, moi, appeler les flics. Allez, viens, enfoiré! Tu vas voir! Signia Kelly? On l'a amené il y a une heure environ. Il a demandé après vous et puis il a perdu connaissance. Et où est-ce que vous l'avez récupéré? Dans une ruelle. Il était sous. Pratiquement asphyxié dans son vomi. Vraiment désolé. Il faudrait que je dise à l'infirmière, est-ce que vous comptez vous occuper des formalités avec l'hôpital? Moi? Les formalités. Non, vous avez qu'à dire trois Ave Maria et débrancher ce bordel. Pas la peine de gaspiller des bougies. Xinia, c'est ton père. C'est une merde. Tu lui ressembles plus que tu ne crois. Merci. C'est pile ce que j'avais besoin d'entendre, maman. Écoute, j'y vais, là. C'est dingue. Je suis venue t'apporter ça, c'est tout. C'est beaucoup trop. Ça va, arrête. J'ai un nouveau job, un énorme contrat de paysagiste. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais? Vais à l'hôpital.
Après 20 ans de silence radio et surgit de néant, et toi tu cours le voir à l'hôpital? C'est ma place, viens avec moi. Faudra me payer très cher, crois-moi. Je suis désolée. Où est-ce que tu vas? Je sors, je vais dans un bar, je vais boire un verre. Le cher papa aurait fait la même chose, non? Ça va, beau gosse? Hey. Attention! Salut, Xenia! Quoi de neuf? Ça roule? Je viens d'arrêter de fumer. Ah, oh, je suis fier de toi, Xenia. Mon père est revenu. J'avais 5 ans quand il est parti. Et un jour, pour mes 8 ans, il débarque et il m'emmène au zoo. Et je te jure, toute la journée, j'arrivais pas à lui demander s'il allait revenir me voir. Et quand je me décide, tu sais ce qu'il me répond? Il a dit, je suis ton père, je suis pas le Père Noël, qu'est-ce que tu crois? Ah, le salaud. Et merde. J'ai envie de danser. Tu me fais danser, tu veux bien? Dans mes rêves, je danse avec toi, Xenia. Mais ici, je suis barman. Vire, un whisky coca. J'ai horreur de danser seul. J'ai horreur de danser tout court. Quelqu'un qui a horreur de danser, c'est pas très rassurant. Je suis pas nécessairement rassurant, moi. Pas mon portefeuille, je peux vous laisser ma montre pendant que je vais chercher de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, faut pas boire. Et alors je fais quoi, moi, la vaisselle? S'il te plaît, mets ça sur mon compte. Laissez, je me débrouillerai, ça va. Je vois pas comment, alors dites merci à la dame, soyez reconnaissant. Moi je la veux bien, votre montre. C'est gentil, j'apprécie le geste. Désolé, ma soirée a pas été géniale. Vous avez encore soif? Non, merci, pas aujourd'hui. Attendez! Bye bye! Une embellie dans une soirée pas géniale. Alors ça, par exemple... Est-ce que vous l'avez trouvé? C'était facile. Il y a deux, trois petits malins là-dedans. Suffit de les connaître et on trouve. Ouais. Qu'est-ce que je vous dois pour les verres? Vous allez me vexer. Je suis paysagiste. Xenia Kelly. J'écris des articles. Paysage de vos jardins, je pense que vous connaissez. Paysage de vos jardins. Attendez, non.
En général, c'est le moment où le monsieur commence à parler de lui. Bras matcher. Je suis fermier. Des chevaux? Des serpents. Quoi? Oui, je les élève, je les vends à des boutiques d'animaux. J'ai un bout de terrain près de Fraser Cove. J'aurais dû m'en douter que votre boulot était bizarre. J'ai toujours adoré les reptiles. Alors, les reptiles, c'est mieux que les humains? Ça dépend des jours. Au fait, vous m'avez toujours pas dit pourquoi la soirée était pas géniale. Ça va déjà mieux. C'est promis, je viens dimanche prochain, maman. Il faut que je te laisse. Il faut que je raccroche, maman, ok? Je te laisse. Oui, à tout à l'heure. Bye. Allez. Allez, les chiens. Allez, couchez. Reste, appelez tes chiens, fais quelque chose. Quoi, tu veux que j'émascule mes chiens, maintenant? Alors trouve-leur des copines. Ils ont les nerfs en plotte. Écoute, ce sont des chiens de garde. T'as jamais songé à un système d'alarme? Du genre de ceux que tu désactives si aisément. Mes chiens ne sont pas des chiens ordinaires. Ils sont égyptiens. Les chiens des pharaons, on les appelle aussi Ibisanko. Ils ont obtenu leur pédigré en 3000 avant Jésus-Christ. Ray, arrête. Déjà, ils se ressemblent pas. Oui, Molly. Molly est légèrement métissée, mais elle a l'âme d'un Ibisanko. Qu'est-ce que tu peux raconter comme connerie? 5 pour les perles. Tu rêves? Tu sais combien ça se vend chez Bulgari? Elles sont rares, pas faciles à écouler. Et les diamants? T'as vu le style? Ce serait dommage d'être obligé de les retailler. Eh, mais il y en a qui sont rayés. Tu fais chier, Ray. T'as pas dû faire attention. Écoute, les cailloux, je connais. Alors s'ils sont rayés, c'est qu'ils étaient comme ça avant. 7. 23. 8. Je suis pas encore gâteuse. 20. Tu me fais rire. 10. Je peux pas faire mieux. Ça fait déjà plus de 20%. 20%. 20%, c'est l'histoire de ma chienne de vie. Comment faut faire pour avoir 100%? Tu sais, tu devrais te tirer, tu devrais larguer toute cette merde. C'est vrai, tu devrais repartir dans ta cambrousse déserte au fin fond de je sais pas où et lire des bouquins sur les rois. Éphémère est l'espoir qui s'envole dans les bourrasques de l'oubli. Trou de mémoire. Les rois amis des dieux. Et modeste créature. Regarde, c'est dingue, qu'est-ce que je disais? C'est naturel, ça sort de toi. Alors arrête tout, tu vaux tellement mieux que ça. Ouais, toi aussi. Salut, l'homme au serpent. Je viens de découvrir qu'au Suriname, il y a de gigantesques boas.
Ils sont rouges. Très rares. Il paraît qu'ils sont très sauvages et qu'ils supportent personne. Certaines espèces s'accommodent mieux que d'autres de la présence de l'Homo sapiens. Vous m'avez retrouvé comment? J'ai posé des questions, vous n'êtes pas si nombreux, les amateurs de reptiles. Et par où vous êtes entrés, sans indiscrétion? Par la porte. Oh. Je l'avais laissée ouverte. Pas très sérieux. Alors, ça vous arrive souvent? Quoi? De pénétrer comme ça chez des gens. Que chez les éleveurs de serpents. Ils ont l'air heureux. Oui. Il suffit de leur donner à manger, un abri et de la chaleur. Et peut-être un peu d'amour? Les serpents, il ne leur en faut pas beaucoup. Malheureusement, c'est plus compliqué pour les humains. C'est un python birman. Vous êtes intimidé, c'est pourtant pas votre genre. C'est quoi, mon genre? Barbelé parfumé. Ça m'arrive d'être morte de trouille. C'est la peur qui nous rend plus intelligents. Alors, pourquoi vous êtes venu? J'avais envie de connaître la vérité. Et alors? Alors, j'en sais rien. Donc, ça compte pas ce que je raconte. Ce qui est important, c'est pas les paroles. Les mots, c'est rien. Xenia, si je voulais que vous partiez, comment je m'y prendrais? Vous pourriez appeler la police. Vous n'auriez qu'à me demander de m'en aller, je m'en irai. Est-ce que j'ai dit que je voulais que vous partiez? Vous n'avez rien dit du tout. Je suis obligé de dire quelque chose. Dites-moi que vous ne voulez pas de moi ici. Je ne voulais pas de vous ici. Dis-moi que tu veux pas de moi. Je dis. Dis-moi. Thank you.
croyez que ça irait pour couper du gros câble? Oui, bien sûr, et il y a 10 ans de garantie, c'est de la bonne qualité. Allô? Tu portes quoi comme vêtement? Rien du tout. Quand est-ce que je peux te voir? Quand est-ce que tu veux qu'on soit? Tout de suite. T'es où, là? Je m'achète des bricoles. Tu attends une seconde? Et toi, tu es où? Oh, nulle part et partout. Tu me manques. Sans blague. Sans blague. Je m'allonge et je sens ton odeur dans le lit. Alors, change les draps. Je sens tes mains sur mon corps. Ça me réveille la nuit. Essaye la douche. Ça ne suffirait pas. Écoute, je suis occupée ce soir. Tu crois que tu arriveras à différer un peu les réjouissances? Non, 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 ça c'est au-dessus de mes forces. Demain alors? Un petit pique-nique? Ouais, c'est parfait. T'auras pas attendu pour rien. Au départ, il y a eu les Indiens, ensuite les pionniers, et maintenant les riches. Eh ouais, c'est le jeu. Les gens s'accrochent à leurs biens. Et ils finissent par se faire braquer. Je croyais qu'on devait faire un pique-nique. Mais c'est ça, un petit pique-nique très spécial. On est où, là? Chez une excellente amie, Cassie. Je dois m'occuper de son chat. Elle a l'air bien, cette Cassie. Tu me la présenteras? Elle est à Portland pour quelques jours. Elle m'a appelée pour me demander de nourrir le chat et arroser les plantes. Un serpent maya, le dieu Tchak. Ça doit coûter dans les 50 000 dollars. Minou, 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 Minou. Minou, Minou, Minou. Bonjour, toi. Tu as faim? Oui, tu as faim. Alors, c'était une bonne idée, non? Tu l'as connue comment, Cassie? Je l'ai connue dans un salon de beauté. On était à moitié noyés dans la cire chaude, tu vois. Et Cassie se tourne vers moi et elle dit: excusez-moi, vous arriverez peut-être à sauver mes primes verts. C'est là que la cire commence à durcir. Elle m'a pris la main parce que ça lui faisait peur. C'est drôle, il y a eu un truc bizarre. Ça a peut-être bien un rapport, disons, avec la douleur. On dirait que ça rapproche. Ouais. Enfin bref, ensuite, elle m'a demandé de refaire tout son jardin. Elle a des primes verts absolument superbes. Tu savais qu'il y a des variétés de primes verts qui ne peuvent fleurir que la nuit? Pas dans la misère, ta chère Cassie. Ah, Colin. Salut, mon vieux. Attends-moi, Abraham. Attends, tiens, regarde ça. Hier soir, il y a un mec qui a piqué une Bentley mauve. Faut vraiment être con pour tirer une bagnole mauve. Ah, putain, la racaille et les poulets, on devient tous débiles. Ah, il y a trop de plomb dans l'air, c'est ça. C'était tellement plus simple, il y a 10 ans. Si
L'uniforme qui te manque. Oh non, c'est pas l'uniforme. De faire équipe avec toi, ça me plaisait bien. Ouais, moi aussi. Oui, je sais bien que vous êtes pressé, madame. On vous envoie un avis à votre domicile. Mais puisque je m'en prie, en fait, vous êtes à part un tout petit peu maintenant. Salut Bram. Salut. Ça te dérange pas si je jette un œil? Ça a peut-être un rapport avec une affaire dont je m'occupe. Vas-y. Une fille et un gars, c'est le jardinier d'en face qui les a aperçus. Ils sont entrés gentiment, ils se sont envoyés $300 de champagne millésimé et un plein seau de caviar. Ils ont chouravé un bidule précolombien hors de prix et environ $350,000 en cailloux. Oh la vache, t'imagines. La bonne femme planquait ses bijoux dans le freezer. Elle avait vu dans je ne sais quel canard que ça pouvait les protéger des flammes en cas d'incendie. Il y a eu effraction. La bonne a été foutue dehors la semaine dernière et s'est barrée à Guadalajara. Bref, ils avaient la clé, ils avaient le code, ils savaient que les proprios s'étaient tirés. Faites comme chez vous. Dieu, mais qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu de merde? Je voulais connaître ça, $300 la bouteille. Merde, j'ai assez de problèmes sans que tu me balances tes empreintes. Je devrais te faire arrêter, tiens. Oh, quel con. Je sais pas ce que j'arrête pas de faire des conneries aujourd'hui. Ça doit être, je sais pas, le plomb peut-être. Allez, je te lâche. Excuse-moi, de toute façon, j'avais rien à faire ici. Excuse-moi. C'est pas grave. Si tu veux me boucler, Bram, t'as plutôt intérêt à attendre de trouver mieux dans ma caisse qu'un pneu de secours et une bouteille d'obsession. Pose pas tes sales pattes de flic sur moi. Je trouve que t'as une façon très intéressante de conduire tes investigations. Suppose que cette enquête, j'ai pas envie qu'elle aboutisse. Oui, c'est ça. Comme par hasard, tu rencontres une femme dans un bar et quelle coïncidence, c'est une voleuse. Toi, t'es un poulet et comme par hasard, t'as un dossier complet sur elle. Non, mais tu te fous de moi.
Je sais bien que les extrêmes s'attirent, mais là, il y a un léger problème de compatibilité. Xenia, je suis allé dans ce bar parce que ta voiture a été repérée non loin d'un cambriolage il y a à peu près 2 mois. Je me renseignais sur toi, d'accord. J'avais aucune raison de savoir que t'allais venir. Et puis t'es arrivé. Et tu m'as plu tout de suite, voilà. J'ai essayé de sauter en marche, c'est toi qui m'as débusqué, oublie pas. Et ensuite... Et ensuite, tu t'es retrouvé face à un petit... conflit d'intérêts, c'est ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé d'abandonner l'enquête. En d'autres termes? Eh bien, tu es une cambrioleuse, et en d'autres termes, j'en ai rien à foutre, je veux pas te perdre. Qu'est-ce qui te fait croire que tu m'as pas déjà perdu? N'empêche que je suis toujours dans la police. Alors sois gentil, enfonce pas le clou. Quand on est tous les deux, en admettant que ça arrive, on essaye de ne pas parler de nos moyens de subsistance respectifs. Si je comprends bien, je dois la fermer, continuer à être une bête acrobatique au pieu et j'ai pas de soucis à me faire. Je n'ai jamais dit ça. Écoute, on peut pas dire que je sois vraiment un modèle de bonne conduite, tu vois. Je viole quotidiennement 6 des 10 commandements, mais c'est pas... Arrête tes paysagistes, Xenia, c'est tout ce que je sais et rien d'autre. Le voilà, ton putain de dossier. Il n'est jamais sorti de ma poche. Personne au bureau ne sait que tu existes. Tu prends des risques, tu joues gros, non? Depuis que je suis tombé sur toi, ouais. C'est ce que je disais, c'est parce qu'il t'est arrivé de mieux de me rencontrer. Je suis pas obligé d'être d'accord. La vie est faite de lois. L'addition, on la règle tout seul à la fin. Qu'est-ce qui se passerait si ça se savait? Je serais suspendu. Peut-être même viré. Et voilà. Salade avec je sais pas quoi. Il a l'air pire que celui d'hier, il y a une raison. J'en sais rien, moi. Il doit l'être. L'histoire de l'autre jour, t'as pas eu de nouvelles? Si, ils ont trouvé tes empreintes un peu partout dans la maison. Merci, à part ça. Les tourtereaux se sont payés une partie de jambes en l'air arrosées de champagne. Ils ont fait comme chez eux. Y'en a qui ont de la veine. Ouais, t'as raison. Rien d'autre? Comment ça, rien d'autre? Ouais, y a un groupe d'extraterrestres qui s'est pointé ce matin et qui a tout avoué. Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Allez, ça va. Hé, ma cravate! Qu'est-ce qui te prend, mon sang? J'avais encore des doutes, mais là, j'en suis sûre, c'est définitif. Je m'ennuie à la campagne. On ne peut pas passer ces journées à arroser et rempoter 10 plantes vertes. Ouais. Il y a un bouquin, je sais pas, moi. J'ai horreur de rester à rien faire. J'ai envie de bouger. J'ai envie d'aller quelque part, de danser. Je veux dire, t'as même pas une radio ici. Est-ce que t'as une radio? Non, j'ai pas l'impression. Bon, t'as envie de danser? Oui, j'ai envie de danser. Alors, amène-toi. Comme ça. C'est quoi, ça? Un genre de pas de deux à ma façon, ça te plaît? Non, non, je veux dire... Quelque chose comme la vitesse critique, tu vois ce que je veux dire? Non. Si on veut échapper à la... à la force d'attraction terrestre, faut atteindre cette vitesse. Je voudrais aller aussi vite que ça par moment. C'est pour ça que tu voles? Tu veux aller vite? T'échapper? Non, je vole parce que je le fais bien, c'est tout. Ah. Et pourquoi t'es flic, toi? Bonne question. Je croyais que c'était parce que ça te plaisait de faire le bien, non? C'est vrai. Comme tous les flics. Et tu sais, le bien, le mal, sont les fondements d'un système qui s'est déglingué depuis longtemps. Je vais te raconter une histoire.
Il y a à peu près 2 ans, j'allais monter en grade. Et je coince un jeune avec une télé volée. Il vivait dans une caravane pourrie avec sa femme et 2 gosses. Lui, il était mort de trouille, il pouvait même pas parler. Mais la femme, elle me suppliait de laisser tomber. Alors, je lui ai dit de garder sa télé de merde et de quitter la ville. Ben, le lendemain, il se fait arrêter pour trafic de crack. Et il crie sur tous les toits que je suis son sauveur. Ben, pas traîné, mon vieux. Je prends un blâme et mon trou du cul d'adjoint devient mon patron. Et regarde, tu en es. Aujourd'hui, tu vis une histoire clandestine avec une hors-la-loi. Et tu es condamné à la prudence, à la ruse et au secret. D'accord, t'as la bougeotte. Tu as faim? Oui. J'avais 17 ans. Et il s'appelait Constantin Alexakos. Mais tout le monde l'appelait Connie. Connie, c'était le roi des cambrioleurs, tu vois. Sans arrêt, je lui demandais s'il voulait bien que je l'accompagne. Et lui, tout le temps, il répondait non. Et enfin, un jour, il a craqué. Je l'ai eu. Comment je l'ai eu? Ça, t'en sauras rien, mais il a accepté. Et ça a été une révélation. C'était dingue. Mais sa passion, sa spécialité, c'était les coffres-forts. Un jour, on travaillait sur un bon gros Schneider. Tu vois, avec la grosse molette de la taille d'une tarte aux prunes. Et l'explosif qu'il était en train de poser, du C4, a sauté. Non, mais t'imagines, je suis là, je le regarde, et puis tout d'un coup, boum! Le sang décore les murs, il y en a partout, et son index arraché, c'était l'horreur. Et ensuite, on a passé 5 bonnes minutes à le chercher. Il nous aurait trahis. À cause des empreintes, c'était pas du tout pour recoudre. Mais le coffre-fort, j'ai laissé tomber. Là, mon petit poulet favori. Mon trou du cul préféré. Ricky Madone. Xenia Kelly. Attendez, vous sortez avec ce gars-là? Oui, je le craque. Un peu de tenue, mais là en veilleuse ou barre-toi de là. Vous êtes dans quoi, monsieur Madone? Avocat. Le crime est sa spécialité. Vous avez l'air de tout sauf d'un avocat. Oh, ça c'est gentil à vous. Je me vois pas comme un avocat. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Hatcher? Disons que... il se trouve que certains amis de monsieur Madden sont à la tête d'un business très spécial. La drogue. Et maître Madden est toujours là quand ça sent le roussi. Vous savez, Xenia, c'est dur le métier de flic. On voit des types qui violent la loi et qui s'en sortent. On voit des types qui s'enrichissent. Retire tes sales pattes d'enfoiré. Se bousiller l'existence pour une paye de merde. Et le plus drôle... Je t'ai dit de la lâcher, t'es sourd? Le détective Hatcher adore se présenter comme l'ange blanc. Mais se pourrait-il qu'il tire légèrement sur le marron? Je pose la question. Fais attention, mon petit brami. Tu m'entends? Fais très... très attention. Excusez-moi, messieurs, dames, je voudrais pas vous déranger. Mais qui est-ce qui va payer l'addition? L'addition est pour vous, monsieur Madden. Reviens là. Je peux plus dormir sans toi. Quand t'es pas là, je me réveille. Je dois m'en aller. Tu retournes au travail? Silence radio sur le boulot, t'as pas oublié? Toi, tu veux venir avec moi, on dirait. Quoi, t'en as marre de la campagne? Allez, grand chef. Apprends-moi.
Je travaille en solo. T'as dit que je serais plutôt doué. Oui, j'ai dit que tu serais plutôt doué, mais est-ce que j'ai dit que je voulais un partenaire? J'ai pas envie d'être ton partenaire. Je veux être ton élève. Bouge pas ou t'es mort, enfoiré. Ton flingue, lâche-le. À genoux. J'ai dit à genoux. À genoux, tu entends? T'es tout seul? Y'a qui avec toi? Réponds-moi, bon Dieu. Allez, réponds-moi, fils de pute, ou je te flingue. Arrête de te foutre de moi, enfoiré, ou je te fais sauter la tête. Envoyez une ambulance, rue Elbot. T'en sortiras, tu l'as touché à l'épaule. Ton partenaire. J'ai flingué ton collègue. On faisait équipe avant de passer en civil. J'ai jamais tiré sur personne. Et je tire sur un flic, c'est le comble. Écoute, personne ne sait que tu étais là-bas et lui, il a pas pu te voir. Il m'a vu. J'ai vu la couleur de ses yeux, ok?
Il avait les yeux marron clair. Alors si j'ai pu le voir, c'est que lui, il m'a vu. Écoute-moi, il n'y a aucune chance qu'il te reconnaisse. Il avait le soleil en pleine gueule. Toi, tu l'as vu, mais lui, rien du tout. Alors on va la jouer cool et attendre que ça se tasse. Bram, il va y avoir des millions de poulets. Il y en aura partout, ça va être la panique. Tu les connais, ils frisent la crise cardiaque au moindre flic qui se fait descendre, comme si la mort d'un poulet, c'était la fin du monde. C'est normal. Hey, il paraît que t'es flic. Écoute, je capte les fréquences de la police, je verrai bien l'étendue des dégâts, et dès que je serai officiellement au courant, je te jure que j'irai voir Colin à l'hôpital. Eh ben moi aussi. Quoi, mais qu'est-ce qui te prend, t'es malade? J'ai tiré sur un mec avant le courage d'aller le voir, c'est la moindre des choses. Gigna, si tu fais une connerie comme ça, tu vas nous foutre dans la merde. Alors détends-toi, bois quelques bières, je sais pas moi, prends un vin. Tu crois que si je prends un bain, ça va tout arranger? Arrête tes conneries, d'accord? Je te le dis, mon pote, ça valait le coup de se faire allumer. C'est un canon, l'infirmière qui s'occupe de moi. Ça me fait bander rien que de l'avoir enfilé ses gants au caoutch. Et qui est cette... Xenia. Et vous, c'est Colin? Tout juste. C'est pas l'idéal de faire connaissance dans un hôpital. L'idéal, si je puis me permettre, c'est de vous rencontrer n'importe où, chérie. Je savais bien qu'il me cachait quelque chose, ce voyou. Je sentais bien qu'il y avait un lézard. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. J'ai apporté un remède. Hey, elle est géniale. Où tu l'as trouvée? J'ai rien fait, moi. J'étais bien peinard, c'est elle qui m'a trouvé. Alors, elle en est où, l'enquête? On sait qu'on recherche une femme. Ah oui? Quel genre de femme? Je sais pas, je l'ai pas bien vue. Mais elle était jeune, mignonne, presque aussi belle que vous. C'est peut-être une solution, les cambriolages, je roule pas sur l'or. Un truc qui m'a étonné, c'est que le gars, il avait l'air d'anticiper sur ce que j'allais faire. Un type qui tourne le dos quand on le braque, c'est pas très normal. Je parie qu'il s'était déjà fait emballer. Ouais. S'il te plaît, appelle Mère Teresa, là il me faut de la drogue. Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je l'ai testé et il s'est fait avoir, ok? Qu'est-ce que t'en sais d'abord? J'en suis pas sûre, mais c'est ce que je sens, et puis peu importe. T'es suicidaire ou quoi? Je me crève le cul à éviter qu'on aille en cabane, et toi tu t'offres un passage en prime time et en costume au bénéfice du seul témoin, nom de Dieu! Il faut que tu joues avec le feu, hein, c'est plus fort que toi! Et puis merde, je te savais pas si sensible. Je trouve que c'est un compliment. Écoute, il a la clavicule cassée, c'est rien du tout, ça. Ça foutra pas en l'air sa vie. T'es qui, toi? De quel droit tu juges? T'es quand même un peu gonflé. Allez, rentre chez toi, fais-moi plaisir. Hein? T'as qu'à faire du rangement, hein? Reste au chaud. Allô? Qu'est-ce que tu portes? Rien du tout. Tu me manques. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève tous les outils de la maison. J'ai pris une consigne automatique. Tu dirais que c'est de la prudence excessive? Y'a quelqu'un? Attends, je te rappelle. Qui est-ce? Bonjour. Bonjour. C'était pas fermé? C'est vrai? Ouais, c'est pas prudent à notre époque. C'est prudent, vous trouvez, de s'évader de l'hôpital? Oh, j'ai 2 petits trous dans le dos, c'est pas une histoire. J'avais envie de venir vous remercier. C'était gentil de m'offrir des fleurs. Il y a pas de quoi. Oui, elles sont réservées à la conduite. Ah, c'est ravissant. Vous trouvez? Ouais, Bram m'a dit que vous bricoliez dans les fleurs, c'est bien. Paysagiste conseil. Hein? Vous avez coincé votre voleuse? Non, pas encore, mais ça viendra. Écoutez, Xenia, il faut que je vérifie quelque chose. Le jour où on m'a gentiment tiré dessus, la police a établi qu'une voiture dans le genre de la vôtre a été repérée dans le quartier. Ah oui? Où ça? Place Béraud, aux environs de 4 heures, jeudi après-midi. Oui, ça m'arrive d'y passer, mais pas jeudi dernier.
Elle n'était pas encore immatriculée, elle avait... Vous savez, ces plaques provisoires quand les voitures sont neuves. Écoutez, Xenia. Vous avez été condamné dans le passé pour chèque sans provision. Oui, j'avais 18 ans. J'ai eu une peine avec sursis. Apparemment, les plantes vertes, ça paye bien. Vous êtes sérieux? Vous avez un casier, je me renseigne, c'est logique. Oui, vous êtes sérieux. C'est du sérieux. J'avais 18 ans et j'ai fait une bêtise. C'est loin, tout ça. Je me suis remise dans le droit chemin, ok? Ok. Ça vous dérange si je jette un œil? Oui. Désolé. Oui, ça me dérange. Bon. Voilà mon numéro. Si jamais vous avez quelque chose à me dire, appelez-moi. Oui, d'accord. D'accord. Foiré! Quoi? T'es un enfoiré! Hé! Bram! Écoute, on a repéré une voiture comme la sienne dans le secteur, elle a un casier, tu le savais? Évidemment, je le savais, elle avait 18 ans, bordel! Qu'est-ce qui te prend, mais t'es malade? C'est la routine, Bram, c'est normal, t'aurais fait exactement la même chose. Laisse-moi te donner un bon conseil, mon vieux. Moi, à ta place, je ferai très attention où je mets les pieds. Colin, je l'aime, t'entends? Si tu dis la moindre chose contre elle, t'as intérêt à avoir des preuves solides. Si tu fais quoi que ce soit... Je sais pas ce qui se passera. Je te préviens. Il nous a quittés ce matin. Maman, pourquoi tu fais ça? Maman, pourquoi c'est tu fais ça? C'est mon devoir. Il t'a abandonné. Il nous a abandonnés. C'était un homme très fier. Il nous a toujours caché sa misère. Quand il pouvait, il nous a toujours envoyé de l'argent. Oui, toujours. J'étais sa femme et... Maman, t'es encore mariée, c'est ça que t'aimais? J'ai dit à tout le monde qu'on était divorcés. Ça nous arrangeait, ça arrangeait tout. Oh. Xenia, c'est toujours ton père. Et un père, on doit l'aimer, ma fille. C'est ça que tu dois comprendre.
Salut. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Mon père est mort. Je suis navré. Il va y avoir un enterrement? Non, Dieu merci. J'ai passé la journée à convaincre ma mère de se l'épargner. Au lieu de ça, elle aura une urne remplie de cendres, de quoi se lamenter jusqu'à la fin de ses jours, 24 heures sur 24. Bram, c'est quoi ça? On était d'accord? Il était question de le balancer, ce flingue. Oui, je vais le faire. Tu te relâches? Xenia, Colin a déclenché la chasse. Et je le connais, c'est pas le genre à laisser tomber. Et moi, je vais lui prêter ma forte, si on peut dire. Le flingue va devenir une pièce à conviction. Dès que je peux, je le dépose sur le cadavre d'une jolie délinquante. Colin trouve la fille, on classe le dossier. Tu veux faire accuser un cadavre à ma place, c'est ça? Colin arrêtera de nous emmerder. Non! On en discutera plus tard, d'accord? Décidément, t'es incurable. Un flic a le droit de faire tout ce qu'il veut. Une pauvre petite camée de merde, qu'est-ce qu'on en a à battre? C'est ça que t'as dans tu la tête? Tu veux que je te dise ce qui te gêne? J'agis selon des règles contraires à l'enseignement de Maître Cogny. Il n'y a qu'une seule façon d'être un criminel et moi je trahis ton évangile. Exactement. J'avais ma façon de faire et ça marchait. Xenia. Calme, calme, du calme, attends. Je suis sûre qu'on va se planter. On fait des conneries, on va se planter. Non, pas du tout. On va se tirer, on va quitter le pays et ça ira très bien. On n'a pas assez de trucs. On s'en balance. Non et non! Je veux pas vivre comme ma mère. Et surtout pas crever comme mon père. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un de pourri de flic. Mais pas depuis longtemps. Oui, un parvenu qui n'a pas encore appris à le blanchir. C'est ça. Un dealer ou un commissionnaire, peut-être. Et pourquoi pas... Non. Vas-y, qui? Non, laisse tomber. Si, dis-moi qui. Il faut envisager toutes les possibilités. Bah, je pensais à... Ricky Madden. Le gros porc qu'on a vu au restaurant? Ouais. Oui, il a du blé à l'appel, lui. C'est parfait. C'est trop dur, on a essayé de foutre un micro dans sa maison il y a 2 ou 3 ans, c'était pire que Fort Knox. Sauf que... il a peut-être bien déménagé. C'est pas grave, c'est un vrai trou du cul. J'adorerais me le faire, rien que pour le plaisir. Réfléchis, Xenia. C'est vrai, s'il a déménagé, ça sera beaucoup plus dur qu'avant. Et s'il était encore en train d'emménager? Alors, quelle est la meilleure entrée, le Velux? Sûrement électrifié. Mais peut-être bien que le système est encore débranché. Ouais, mais peut-être bien qu'il n'y a encore rien d'intéressant là-dedans. On peut supposer que si ce petit palais est électrifié, c'est sans doute qu'il y a des bricoles à protéger. Calme-toi un peu, tu veux? C'est de l'argent de la drogue, tout ça. Tant mieux, ça l'empêchera de porter plainte, c'est du velours. La bande de malfrats qui travaillent avec lui sont pas des plaisantins. Si la police te sert, tu vas en taule. Si c'est Madden, c'est fini, t'es rayé de la carte. C'est de toi que j'ai envie. S'il le faut, je me passerai de ce qu'il y a là-dedans. C'est gentil. Moi, je meurs d'envie des deux. On manque de renseignements. Mon informateur m'a dit que c'était un système de sécurité Saphir, le réseau électrique habituel, plus des infrarouges passifs. Si ça fonctionne déjà, on est foutu. Ça ira. Oh, laisse tomber, c'est infranchissable, ces trucs-là. Je te dis que non. Ouais, d'accord, admettons que t'aies raison. Il garde son argent dans un coffre mural. D'après mon gars, c'est un gros Mosler sur mesure. Il transfère ses fonds 3 fois par semaine. Sa vie est très bien réglée. C'est toujours de l'extérieur qu'il passe ses coups de fil. Il va dans ce restaurant tous les jours vers 4 heures environ. Ensuite, il dîne et reste jusqu'à la tombée de la nuit. Thank you.
Hugo. Étrange. C'était bien trop facile. À l'heure que ça explosera. T'inquiète. Déjà fait, c'est pas la première fois. Ouais, avec Connie. C'est-à-dire, toi tu le faisais et Connie était là. C'est-à-dire, Connie était là et je le regardais faire. Non, tu... Bram, tu perturbes ma concentration. Jolies femmes dans les endroits les plus surprenants. Vous ne m'en voudrez pas, votre nom m'échappe. Xenia. Si j'ai bonne mémoire, la dernière fois vous étiez avec un homme. Bram Hatcher, officier de police. Vous êtes seul, nous pouvons parler cette fois. Oh, ne me décevez pas, ne me dites pas qu'il est là, lui aussi. Je travaille seul. Je croyais que c'était une visite de courtoisie.
Si vous ôtiez ça de mon visage, on pourrait peut-être discuter. Je me sentirais tout nu sans lui. Cela dit, pourquoi pas avec une fille aussi jolie que vous? Je suis pas armée. Ça, c'est stupide. Ça fait de vous une femme en péril. C'est le prélude à un viol par légitime défense. Non. Malheureusement, ça infirmerait ma version des faits. Car j'ai tué un intrus en état de légitime défense. Au bureau. Il y a des détails à régler, ça ira. Non, je ne vais pas rester seule. Mais laisse-moi, je t'en prie. Quoi? Reste avec moi. J'ai envie de te sentir près de moi. Baisse-moi. Baisse-moi. C'est... Oui. Oui. J'aurais pas dû t'entraîner là-dedans. T'es un bon flic, c'est vrai, t'étais un bon flic et maintenant à cause de moi t'es un voyou. Hey. On est tous les deux. Jusqu'au bout. Rentre à la maison, prends ton passeport et viens à l'aéroport à 5 heures. On prendra le premier vol international. Oh, je... Xenia. Je m'en veux. Bonjour, Xenia. C'est intéressant, ces revues. Je savais pas qu'on pouvait ramasser les bleuets avec une moissonneuse-batteuse. Vous n'êtes pas venu apprendre le jardinage, j'espère. Vous savez, Xenia, c'est pas parce que j'ai été blessé dans cette histoire que tout ça me tient très à cœur. Mon gros problème, c'est que je souhaite que Bram ne soit pas impliqué avec vous ailleurs qu'au lit. Oh, à propos... On n'a rien trouvé chez vous. Rien du tout. Enfin, presque rien. Mode d'emploi complet pour système de sécurité et d'alarme Saphir. C'est quoi ça? C'est votre livre de chevet en ce moment? C'est illégal ce genre de livre maintenant? Devant un tribunal, vous savez que ça vaut pas un clou. Et pendant qu'on y est, il est où votre mandat de perquisition? Eh ben, j'en ai pas. Vous n'avez qu'à porter plainte. Vous savez où je l'ai trouvé? Dans votre placard. Dans une veste d'homme. La veste de Bram. Eh ben alors, allez l'attendre chez lui, guettez-le dans le noir. Oui, je pourrais faire ça. Ce qui me retient, c'est ces saletés de serpent. On reste en contact, Xenia. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes. C'est tous mes outils et toutes mes affaires. Tu les balances. Il y en a encore plein dans ma consigne, d'accord? Tiens, la clé. Et tu te débarrasses de tout ça. Tu en fais ce que tu veux. Tu vends ce que tu veux. C'est pour toi. Est-ce que ça va? Je vais te chercher un verre. Ray, où est-ce que t'as eu ça? Quoi? Le serpent précolombien, où tu l'as eu? C'est Tchak, le dieu des serpents, c'est Maya. Où est-ce que tu l'as eu? Un client. Qui? Et est-ce que moi je te pose des questions? Quel client? Est-ce que c'était Bram Hatcher? Tu connais la règle, non? Nous devons faire preuve de discrétion. Arrête tes conneries, Ray. Tu le connais? Tu connais Bram, c'est ça? Ray, comment tu connais Bram? Ray, je te demande comment tu connais Bram! Merde, arrête, t'es chiante! Dis-moi la vérité tout de suite! Ouais, je le connais, bon, d'accord. Un jour, il m'a eu, il m'a pris la main dans le sac. Il a dit que si je voulais continuer ce business, il fallait que je me monte coopératif. Coopératif? Il voulait du cash. Et quoi d'autre? Quelques informations. Hein? Alors c'est ça, t'es un mouchard. Tu fais ça, toi. Ça m'arrive. Hé, hey, j'ai jamais rien dit sur toi, Xenia. Il était sur une grosse affaire, mais il voulait pas en parler. Il avait besoin du meilleur des cambrioleurs. Quelqu'un capable de se faire un deuxième étage et désactiver tout le système d'alarme. Un saphir. Un saphir? Ouais. Il a dit ce nom-là, il a dit saphir? Oui, il avait besoin d'un spécialiste des coffres-forts. Alors je lui ai parlé de toi, sans être sûr que tu faisais encore ce boulot. Quoi d'autre? Il y avait un truc auquel il tenait beaucoup. Il lui fallait quelqu'un capable d'opérer dans une maison occupée. Dis-moi, ça date de quand? Ça s'est passé bien avant Noël. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je voulais pas aller en prison. La prison, c'est trop dur, Xenia. Ça aurait dû rouler tout seul, cette affaire. J'aurais jamais pu me douter. Ray, écoute, Ray, je suis pas là. Je suis pas là et tous les deux, on ne s'est rien dit. D'accord? D'accord.
Zignard. Par ici. Ça va? Il faut qu'on change nos plans. Où est-ce que tu as mis l'argent? Je l'ai caché. Tu l'as caché? J'ai eu peur, je voulais pas l'avoir avec moi. Je l'ai balancé sous un pont, le pont de Tana à 7, dans une bouche d'égout. J'ai des mauvaises nouvelles. Il y a un receleur, tu le connais, Ray Costello. Il s'est fait ramasser ce soir. Il est en train de déposer une plainte. Il balance tout ce qu'il peut sur toi et ta carrière. Il faut pas que tu restes dans le coin. Les flics vont bientôt débarquer. Et crois-moi, ça va pas traîner. Non, t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Tout ce que je te demande, c'est d'écouter, d'accord? D'accord. Ils savent que je suis là. J'ai demandé à faire moi-même l'arrestation. Alors c'est moi qui vais te coffrer, d'accord? Voilà ce qu'on va faire, Dieu. Tu vas me tirer dessus, ici, dans la cuisse. T'inquiète pas, il n'y a aucun danger, ça guérira vite. Comme ça, personne ne me soupçonnera de t'avoir laissé filer. Je crierai, on bouge plus, police, toutes ces conneries, bien fort, pour que les voisins puissent entendre. Et puis je tirerai deux coups de feu en l'air. Mais toi, tu te sauves, d'accord? Tu t'arrêtes pas. Xenia. C'est la seule solution. Tout a foiré, ça a foiré, mais on va s'en sortir. On va te sortir de cette ville, je vais me faire oublier pendant 2 ou 3 mois et ça ira. Pleure pas, non. Allez, courage. T'inquiète pas, je le sentirai à peine, je m'en remettrai. Dieu, Xenia, écoute-moi, il faut que tu le fasses. Ah 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 oh. Police! Police! Ah. Lâche ton flingue! Lâche le flingue! Vas-y!
ce Colin. Écoutez-moi bien, il y a un receleur. Il s'appelle Ray Costello. Ray Costello. Il est mort assassiné. Je sais que ce sera dur pour vous de me croire, mais c'est Bram qui l'a abattu. Alors il faut que vous m'aidiez. Je vous en supplie. Salut, Xenia. Gentil d'appeler. Pourquoi ? T'as toujours dit qu'on pouvait ignorer les lois. T'étonne pas que je respecte pas les tiennes. Je t'expliquerai mieux quand je te verrai. Tu me trouveras pas. Je suis flic, t'as oublié ? Je peux lancer des mandats d'arrêt dans les 50 États s'il le faut. J'ai de très jolies photos. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je te retrouverai. Je dirai tout. J'irai en taule, mais je dirai tout. De quoi tu me parles ? On est sortis ensemble 2-3 fois, je t'ai plaqué, c'est tout. Le reste est pas crédible. Tu as fabriqué des fausses preuves. C'est une vieille combine, mais ça marche. Je m'arrangerai pour que ça marche. Et puis maintenant, personne ne témoignera pour toi. Tu m'entends ? Personne. Pas que ce soit biodégradable. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet, Xenia ? De l'argent. Pourquoi ? Tu vas appeler la police ? T'as l'intention de tout me mettre sur le dos et de le récupérer ensuite ? Je crois qu'il vaut mieux que t'ailles le chercher tout de suite. Ouvre-le. C'était pour l'argent. Pour l'argent, c'est tout ce que tu voulais. Tout ce que je voulais. Toute mon existence a été bouleversée du jour où t'as débarqué dans ma putain de vie. J'ai même été jusqu'à improviser pour qu'on arrive quand même à s'en sortir tous les deux. Je te l'ai dit que j'en voulais pas de ce putain d'argent. Je te l'ai dit, tout ce que je voulais c'était toi. Mais toi, toi tu voulais l'argent, tu le voulais autant que tu me voulais moi, tu me l'as dit. On aurait pu être partenaires. Madeleine aurait dû être épargnée. On aurait pu faire 10 coups comme celui-là sans que personne soit blessé. Non, les partenaires vous baissent la gueule. C'est toi qui as dit ça. Tu vois, Madeleine, il en savait beaucoup sur moi. J'étais son partenaire, son âme damnée. Comme quoi, les partenaires... En fait, avant que tu me connaisses, ça allait beaucoup mieux pour toi que maintenant, non? Tu sais...
La seule chose que j'ignorais, c'est que j'allais être amoureux de toi. Ah oui, tu as dit amoureux, c'est ça que t'as dit. Le plus dur reste à faire. Alors c'est ça la fin de l'histoire. Tu vas descendre un poisson dans son bocal. J'aurais aimé qu'on gagne tous les deux. C'est vrai que je t'aime. Mes souvenirs, tu peux pas les tuer. Je t'oublierai jamais, Bram. Jamais. Je peux t'attendre très longtemps. Je donnerai tout ce qu'il te faut. Nourriture, chaleur et un abri. Peut-être aussi de l'amour.